Chers élèves, notre séance portera sur l'écrit et particulièrement l'essai. Notre objectif prioritaire consistera à faire le plan. Mais pour y parvenir, il est nécessaire de passer par trois étapes extrêmement importantes, à savoir la compréhension et l'analyse du sujet, l'élaboration des thèses et la recherche des arguments et des exemples. Le sujet qu'on abordera lors de cette séance s'insère dans le centre d'intérêt partage, le premier à être abordé en classe avec la section « Lettres ». Mais ce que je dois souligner est que le contenu thématique de la séance passe au second plan, ce qui prime dans le cheminement que je vais suivre est l'aspect méthodologique, c'est-à-dire le comment faire pour parvenir à rédiger un développement rigoureux et donc convaincant. Bref, tous les élèves appartenant à toutes les sections confondues peuvent tirer profit de l'aspect méthodologique de la séance. Notre sujet est le suivant. Avec tout prisonnier, je me sens enfermé. Ces chaînes sont les nôtres, dit Victor Hugo dans son poème « Tous les hommes sont l'homme ». Pensez-vous, comme certains l'affirment, que tous les hommes, à l'image de Hugo, soient compatissants et solidaires de leurs semblables dans leur malheur? Illustrez votre argumentation par des exemples précis tirés de vos lectures et de l'observation du monde qui vous entoure. Je lis le sujet encore une fois. « Avec tout prisonnier, je me sens enfermé. Ces chaînes sont les nôtres », dit Victor Hugo dans son poème « Tous les hommes sont l'homme ». Pensez-vous, comme certains l'affirment, que tous les hommes, à l'image de Hugo, soient compatissants et solidaires de leurs semblables dans leur malheur? Illustrez votre argumentation par des exemples précis tirés de vos lectures et de l'observation du monde qui vous entoure. On constate souvent en classe que nos élèves, à part quelques-uns, ou par manque de temps ou par facilité, lisent le sujet et passent à la rédaction. Ce que je déconseille vivement à nos élèves. Il est donc impératif de passer par un premier grand moment qui est le suivant. Comprendre et analyser le sujet. Cette étape permettra à l'élève d'appréhender les différents aspects du sujet. Il se demandera d'abord comment le sujet se présente-t-il. Il va essayer de distinguer les différentes parties du texte du sujet et cerner la ou les différentes fonctions de chacune d'elles. Ainsi, le sujet deviendra un peu plus clair. Le texte de notre sujet se compose de trois parties. La première est la suivante. Avec tout prisonnier, je me sens enfermé, ces chaînes sont les nôtres, dit Victor Hugo dans son poème « Tous les hommes sont l'homme ». Cette première partie du texte de notre sujet, comme vous l'aurez constaté et grâce aux guillemets, est une citation. Elle présente une opinion, un point de vue, celui de Victor Hugo. La deuxième partie du texte de notre sujet est « Pensez-vous, comme certains l'affirment, que tous les hommes, à l'image de Hugo, soient compatissants et solidaires de leurs semblables dans leur malheur ?» Cette deuxième partie du texte du sujet a différentes fonctions. Elle interpelle l'élève et l'appelle à exprimer un point de vue personnel, comme l'expression « pensez-vous » le montre. Elle fait une vague référence à un groupe de personnes et présente leur opinion. « Pensez-vous, comme certains l'affirment, que tous les hommes à l'image de Hugo soient compatissants et solidaires de leurs semblables dans leur malheur ?» Cette deuxième partie du texte du sujet appelle
Aussi l'élève a vérifié si l'attitude de Hugo, à savoir sa compassion et sa solidarité, est générale. La troisième partie du texte de notre sujet est « Illustrez votre argumentation par des exemples précis tirés de vos lectures et de l'observation du monde qui vous entoure. » Cette troisième partie du texte du sujet interpelle aussi l'élève et l'appelle à justifier son point de vue. « Illustrez votre argumentation. » Elle appelle aussi à justifier ses arguments au moyen d'exemples dont elle précise la nature. Illustrez votre argumentation par des exemples précis tirés de vos lectures et de l'observation du monde qui vous entoure. Il s'agit donc de justifier les arguments au moyen d'exemples littéraires et d'autres puisés dans le vécu et dans l'actualité. Alors, l'élève passera ensuite à l'analyse du vocabulaire. Le texte du sujet à nouveau. Alors, avec tout prisonnier, je me sens enfermé, ces chaînes sont les nôtres, dit Victor Hugo dans son poème « Tous les hommes sont l'homme ». Je vais essayer d'expliciter le rapport existant entre la première partie du texte du sujet qui est la citation et la deuxième partie du texte du sujet. L'énonciateur est Victor Hugo. De qui parle-t-il? L'expression « tout prisonnier » fait référence à toute personne privée de sa liberté, qui est en captivité, qui souffre, qui est donc malheureuse. Que dit-il? Que pense-t-il? Je me sens enfermé, ces chaînes sont les nôtres. Ces deux phrases attirent l'attention sur l'implication de Victor Hugo, sur sa compassion et sa solidarité. La deuxième partie du texte du sujet comporte un certain nombre de mots-clés. L'expression « tous les hommes » est une expression clé dans la mesure où elle attire l'attention sur le caractère catégorique de l'opinion formulée dans le sujet. Il s'agit d'une opinion présentée comme absolument vraie. Le deuxième mot-clé est « compatissant ». L'adjectif signifie « faire preuve de compassion », c'est-à-dire « partager la souffrance d'autrui ». Solidaire se dit deux personnes liées par une responsabilité et des intérêts communs. L'adjectif renvoie au nom solidarité qui est le sentiment qui pousse les hommes à s'aider réciproquement. Semblable signifie les autres hommes, autrui. Le mot malheur fait référence à toute situation pénible, comme le rejet, l'exploitation, la réclusion, etc. Après avoir analysé le vocabulaire, l'élève doit cerner le thème du sujet, ou ce qu'on appelle aussi le domaine général du sujet. Dans le cadre de notre sujet, on parlera de solidarité, de partage, de compassion. L'élève doit ensuite dégager la thèse du sujet ou ce qu'on appelle le problème précis du sujet. Pour ce faire, il doit se référer à la deuxième partie du texte du sujet, qui est la question problématique. Notre thèse est « Tous les hommes, à l'image de Victor Hugo, sont compatissants
et solidaires de leurs semblables dans leur malheur. L'élève doit veiller à bien cerner cette thèse, car une thèse mal dégagée est un hors-sujet assuré. L'élève passera ensuite à la problématique. La problématique est la thèse présentée sous forme de questions. Notre problématique est donc, est-il vrai que tous les hommes à l'image de Hugo sont compatissants et solidaires de leurs semblables dans leur malheur? L'élève se demandera ensuite à quel type de réflexion invite le sujet. Pour répondre à cette question, l'élève doit se référer à la deuxième partie du texte du sujet. L'expression « tous les hommes » est une expression clé car elle attire l'attention sur le caractère catégorique de l'opinion formulée dans le sujet. Cette opinion est donc discutable. Et comme on ne peut pas critiquer une opinion sans l'avoir analysée, l'élève doit, dans un premier moment de son développement, montrer que la thèse est vraie tout en la modélisant. Dans un deuxième moment, il va montrer que cette même thèse a des limites. L'élève doit passer ensuite au deuxième grand moment qui est l'élaboration des thèses. Élaborer des thèses signifie préparé par un long travail de réflexion. La première thèse est plus ou moins facile à repérer dans la mesure où elle est contenue dans la deuxième partie du texte du sujet. Mais l'élève doit faire attention et ne pas dénaturer l'idée initiale du sujet. Notre thèse est nombreuses sont les personnes qui sont compatissantes et solidaires de leurs semblables dans leur malheur. Comme vous l'aurez constaté, cette thèse, j'ai essayé de la modaliser en employant nombreuses. Je peux rappeler la thèse du sujet qui dit « Tous les hommes à l'image de Hugo sont compatissants et solidaires de leurs semblables dans leur malheur. » L'élève peut aussi exprimer la même idée du sujet, mais de façon personnelle. Il peut écrire « Les attitudes des hommes témoignent souvent de leur bonté et de l'intérêt qu'ils accordent au bien-être d'autrui. » La deuxième thèse du développement est l'égoïsme et l'égocentrisme de certaines personnes, malheureusement de plus en plus nombreuses, freinent tout élan de solidarité. On avait dit que dans la deuxième thèse, l'élève doit montrer les limites de l'opinion formulée dans le sujet. Comme vous le constaterez, le nom « égoïsme » signifie « toute attitude où on privilégie l'intérêt personnel ». « Égocentrisme » se dit d'un comportement ou d'une attitude qui consiste à se considérer le centre du monde et tout tourne autour de soi. Freine tout élan de solidarité, c'est-à-dire fait obstacle à tout mouvement spontané et intérieur de compassion et de solidarité. Après avoir élaboré ses thèses, l'élève peut chercher ses arguments et ses exemples. Notre troisième grande partie est recherche des arguments et des exemples.
pour rassembler sans grande difficulté des arguments variés, l'élève doit diversifier les domaines dans lesquels puiser ses idées. Il peut se demander, par exemple, si sa thèse peut être justifiée par un argument social, un argument psychologique, un argument politique, etc. Voici une liste d'arguments pour soutenir notre première thèse. Argument A, tentative d'intégration de la solidarité dans les mœurs. On refuse désormais que la solidarité soit une attitude occasionnelle. On veut en faire une pratique courante et souhaite qu'elle fasse partie des habitudes de conduite du groupe social. Les exemples, le Fonds de solidarité nationale, le Téléthon, l'Emmaüs, qui est une association dont l'objectif est protéger les sans-abri et les pauvres. Médecins du Monde, Médecins sans frontières. Argument B, tendance à faire prendre conscience au lecteur du profit personnel et général de la compassion et de l'altruisme. On encourage désormais les hommes à entrer dans les peines de leurs semblables et souligne l'intérêt d'une telle attitude. Citation : Ce qui n'est pas utile à l'essaim n'est pas non plus utile à l'abeille. Marc Aurèle, manuel de la quatrième année, lettre page 55. Nul ne peut couler ses jours dans le bonheur qui ne considère que soi, qui tourne toute chose à sa propre commodité. Vis pour autrui si tu veux vivre pour toi. Sénèque, manuel quatrième année, lettre page 55. Comme vous l'aurez constaté, j'ai puisé les citations dans le manuel de la quatrième année, lettres. J'ai fait ce choix pour montrer aux élèves qu'ils ne doivent pas se sentir démunis, car ils peuvent faire de leur propre manuel un véritable réservoir d'exemples, d'arguments et de citations. Argument C, la communication, l'écoute de l'autre. Cet argument attire l'attention sur un autre aspect de la compassion et de la solidarité qui consiste à prêter l'oreille à son semblable et lui donner l'occasion de se confier, donc lui permettre de vaincre ses difficultés. Exemple, l'attitude de Christophe vis-à-vis de sa mère. Texte, page 11, manuel 4e année, lettres. Argument D, les multiples initiatives individuelles. Cet argument attire l'attention sur le caractère spontané de la solidarité. On aide son semblable tout en étant désintéressé et sans l'intervention de quiconque. Exemple, le don de sang, le don d'argent, le bénévolat, l'adoption à distance. Voici une liste d'arguments, d'exemples et de citations pour soutenir notre deuxième thèse. Argument A, l'exploitation des plus démunis. Désormais, on tire profit de la misère des autres. Au lieu de les aider, on s'acharne sur eux sans aucune pitié. Exemple, le travail des enfants, la traite des blanches. Argument B, se désolidariser des autres sans difficulté et sans remords. Se désolidariser d'eux signifie cesser d'être solidaire de quelqu'un. Se désolidariser des autres sans difficulté et sans remords.
On refuse d'aider ceux qui en ont besoin et on n'en voit même pas l'intérêt. Exemple, la quasi-inexistence de donneurs d'organes, les banques de sang qui se vident par manque de donneurs de sang. Argument C, l'indifférence, une attitude réfléchie. L'autre désormais n'existe plus, on l'ignore, on essaie le maximum possible de ne pas avoir des contacts avec lui. Exemple, les voisins de palier. Cet exemple fait référence au rapport entre voisins dans les nouvelles habitations. Citation, nous ne nous écoutons plus, nous ne nous voyons plus, existons-nous aux yeux des autres et ceci existe-t-il pour nous? Edgar Pisani, le courrier de l'UNESCO. Je vais maintenant rappeler nos arguments et préciser les domaines dans lesquels je les ai puisés. Argument A, plan collectif. Argument B, plan littéraire. Argument C, plan psychologique. Argument D, plan individuel. Argument A, plan économique. Argument B, plan individuel. Argument C, plan social. Après avoir rassemblé ces arguments et ces exemples, l'élève peut faire le plan du développement. Ainsi, nous arrivons à l'objectif prioritaire de notre séance, qui est faire le plan du développement. Pour faire le plan du développement, l'élève doit d'abord faire le plan général, composé de la thèse et de l'antithèse qu'on a déjà élaborée. En deuxième lieu, il va faire le plan des parties, c'est-à-dire organiser ses arguments. Pour classer ses arguments, l'élève peut aller du plus simple au plus complexe, c'est-à-dire, par exemple, du plus évident au moins évident, du superficiel au plus profond, du concret à l'abstrait. Première partie de notre développement, voici comment j'ai organisé ces arguments. Premier argument, argument D, les multiples initiatives individuelles. Deuxième argument, argument A, tentative d'intégration de la solidarité dans les mœurs. Troisième argument, argument C, la communication, l'écoute de l'autre. Quatrième argument, argument B, tendance à faire prendre conscience au lecteur du profit général et personnel de la solidarité. Comme vous l'aurez constaté, pour classer les arguments de la deuxième partie, j'ai choisi d'aller du concret à l'abstrait. Concernant les arguments de la deuxième partie, je les ai organisés ainsi. Premier argument, argument B. Se désolidariser des autres sans difficulté et sans remords. Deuxième argument, argument C. L'indifférence, une attitude réfléchie. Troisième argument, argument A, l'exploitation des plus démunis. Pour classer les arguments de notre deuxième partie, j'ai choisi d'aller du particulier au général. Passons maintenant au plan final du développement. La première thèse est « Nombreuses sont les personnes qui sont compatissantes et solidaires de leurs semblables dans leur malheur. »
Cette deuxième partie se compose de la thèse suivie de deux arguments. Le premier argument, en effet, les différentes initiatives individuelles, développement de l'argument, exemple 1, l'adoption à distance. Argument 2, d'ailleurs, la communication, l'écoute de l'autre, développement de l'argument, exemple 2, l'attitude de Christophe vis-à-vis de sa mère. Comme vous l'aurez constaté, alors pour introduire mon premier argument, j'ai utilisé un articulateur qui est « en effet ». Cet articulateur permet de lier l'argument à la thèse et présente l'argument comme une preuve. Pour introduire mon deuxième argument, j'ai utilisé « d'ailleurs ». Cet adverbe permet d'ajouter un deuxième argument à un premier argument. Ce que je voudrais souligner est que l'élève, en faisant le plan de son développement, il doit aussi penser à assurer la cohérence de ses idées en utilisant des articulateurs différents. Ces articulateurs sont comparables à de véritables balises qui aident le lecteur de notre écrit et qui lui permettent de comprendre le développement. Thèse 2. Alors, pour passer à la deuxième thèse, de façon souple ou avec souplesse, l'élève doit élaborer une transition. Cette transition se compose d'un bilan et de la thèse 2. Qu'est-ce qu'un bilan? L'élève doit rappeler la première thèse brièvement. Pour élaborer sa transition, l'élève peut recourir à titre indicatif à une structure concessive en employant comme exemple quelque, que, si, que, malgré, etc. Notre transition est la suivante. Si généreux altruistes que puissent être les hommes, cette proposition subordonnée permet de faire le bilan de la première thèse. Il faut souligner que l'égoïsme et l'égocentrisme de certaines personnes, malheureusement de plus en plus nombreuses, freinent tout élan de solidarité, introduit la thèse 2, grâce à laquelle l'élève attire l'attention sur les limites de l'idée formulée dans le sujet. Argument 1. D'une part, se désolidariser des autres sans difficulté et sans remords, développement